Bienvenue sur Influence Platform, côté que n'a pas apprendre un peu le bagage sur l'argent business, qu'on peut réaliser rêve nous, et puis venez mon notre temps, mais je tiens à moi porter pour nous une petite vidéo, côté que moi parle parler nous, un petit classe de business artistes haïtiens, ok? Moi, basé sur 4 artistes qui apprennent énormément, qui c'est des femmes qui prennent chai, si toutefois ou même, ou pareil, mais c'est pas grave, juste apprendre dans qui ça y investi. Si tout faut aimer tout, bon voilà, tu les aimes quoi. Est-ce que artistes ont bien investi, est-ce qu'ils ont pas bien investi, tout ça aussi ça nous va le découvrir là, ou même moi dire exactement qui ça a passé. Mettre lunettes parce que moi parle bien. Premier artiste moi parler de lui c'est Richel. Richel c'est un artiste haïtien que nous connaît, qui chantait, qui a plein de talent. C'est un artiste qui chante extrêmement bien, qui a beaucoup de talent, qui fait des choses extraordinaires. Donc Richel investit dans le maquillage, les gains, les gloss, fard pour bouche, ok? Et puis il investit dans valise, il est sorti dans les valises en collaboration avec un artiste haïtien. Peut-être un jour m'a analysé business artiste haïtien ça à part entière pour nous parce que moi pas cité dans la vidéo ça parce que moi pas parlé de lui dans la vidéo ça c'est des filles ça m'a parlé. Et puis il investit dans shot de bain qui c'était un fureur. Il y a une pile controverse qui te dit shot de beauté avant dans site chinois. Come on girl. Il y a pile monde c'est dans site chinois et prend ça avant yo juste mettez non pas sous lit. Le acheter shot de bain Richel là ou pas acheter shot de bain ou acheter shot de bain Richel là parce que pour nous, OK? So c'est dans trois styles business yo qui officiellement connaît que Richel investi. Dans ma vidéo ça a été vraiment difficile pour moi jeune qui ça artiste haïtien investi parce que majorité artiste yo pas parler publiquement de dans qui ça yo investi. Nous connaît haïtien fait tout bagaille. Par contre l'autre artiste étranger au plus ou moins montrer dans qui ça yo investi. Deuxième artiste m'a parlé de lui c'est Darlin yon Choprad, c'est celle ça moi jeune de lui, il t'a investi dans Choprad ou même sous gen artiste ou connaît dans qui ça l'investi que moi pas cité non ou bien moi cité non mais moi pas dit dans tout ça l'investi, cité non lui et puis dit dans qui ça l'investi pour faire business. Si nous tenez un bruit chien là quand moi à manger zo. Il a fait bruit ça. Fait une publicité que l'État pouvait un site, un local rad. Donc, c'est toute information que moi gagne de investissement public de Darlinda. Nous gagnons un troisième artiste haïtien qui c'est Florence. Florence gagne un restaurant, ou bien plusieurs. Il gagne un bureau taxe, il gagne un cosmétique. Dans cosmétique, il gagne plusieurs bagailles, il gagne gloss, li genye crème, li genye savon, li genye plusieurs bagay. Si vous bagay, mwen pa di nan commentaire. Li investi nan kay, li investi nan Airbnb, li investi nan studio de beauté. Et puis, quatrième artiste que mwen parle de li, c'est Blanc Ludi Ferdinand. Li investi nan kay, li investi nan Airbnb, li investi nan studio de beauté, li investi nan cosmétique. Ok, c'est dans ça qui officiellement connu ça ici, ça qui est le Blanc de Ferdinand investi. Ça yo c'est ça que lui fait connaître publiquement. Si que l'autre bail investi là-dedans réellement, I don't know, moi pas connaître. Donc officiellement c'est dans ça yo moi connais que lui investi. Donc voilà, mes friends, enjoy vidéo aujourd'hui hein. Si nous gagnons l'autre artiste ou bien un autre investissement dans artiste moi de cité que me pas dit, écris en commentaire. Ça fait un peu plaisir pour moi exactement dans qui ça artiste haïtien investi. Juste ma boyante rom. Yes. Moi, je vais vous en pire. Moi, je vais vous en pour nous. N'a pas encore dans notre vidéo. Bye. Hasta luego.